Et bienvenue sur la chaîne Cinephonix. Aujourd'hui, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et que j'avais suivi moi personnellement sur Kickstarter. Donc une marque qui s'appelle Fly Shark, qui a créé, donc en tout cas qui a lancé un projet de montre intelligente, de smartwatch. Une montre intelligente, certes, mais qui fait aussi téléphone. Donc ça, c'est un point supplémentaire par rapport à beaucoup d'autres montres. Et cette marque a lancé donc une montre qui se prénomme la Eye Lipo 400. Voilà. Et donc sur Kickstarter, puisque c'est bien indiqué sur la boîte. Donc la boîte, pas grand-chose, hein, y a rien. Noir et rouge, c'est quand même d'un effet plutôt joli, plutôt sympa. Donc on va, sans plus attendre, vous présenter cette montre. Ils sont gentils, ils nous annoncent dans la boîte, lorsque vous l'ouvrez, un grand merci pour avoir choisi donc la montre Fly Shark. Et donc comme on voit bien, Fly Shark, voilà. Un requin qui vole, bon, pourquoi pas. Ça fait penser à ceux qui connaissent un bon navet Sharknado. Bref, donc voilà la montre. Et on va regarder tout de suite le contenu de la boîte avant d'attaquer la montre. Alors la boîte. Donc la montre est bien encadré dans un socle de mousse très épais et très très dur, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc un tournevis avec des vis supplémentaires à l'intérieur. Un tournevis pourquoi? Pour donc dévisser le dessous de la montre afin d'y insérer votre carte SIM. Et c'est une micro SIM. Un câble USB pour la recharge, parce que comme nous l'avons dit dans le teaser, il n'y a pas de socle, donc tout se passe via ce connecteur USB ici. Et pourquoi il n'y a pas de socle? Bien entendu, puisqu'il faut dévisser pour y insérer la carte SIM. Un QR code pour télécharger l'application développée spécifiquement pour cette montre, ce qui est une très bonne chose, et une documentation entièrement en anglais où tout y est décrit, comment fonctionne-t-elle. Et à l'arrière, donc au dos de cette documentation, enfin de ce guide pardon, les trois types de montres qui existent, les trois couleurs. Donc nous l'avons reçu en marron et doré sur les côtés, donc c'est la première ici. Ensuite elle existe entièrement en noir, donc cadre noir et bracelet noir en cuir noir.
et cadre alu argent et bracelet en cuir marron. Et ils fournissent au fond un petit protège-écran. Bon, pourquoi pas. Voilà. On range tout ça et on va continuer avec la montre. Hop, on va retirer ce bout de machin. Alors, on va faire le tour du propriétaire en premier lieu. Donc, un bracelet en cuir épais. Regardez, on voit bien la différence d'épaisseur. Donc, lorsque vous l'avez au poignet, donc ça prend juste le dessous, juste en dessous du poignet, et donc elle se tient correctement au poignet, cette montre. Donc, on l'a dit, cadre en métal. La seule petite chose, vous voyez qu'ici, en fait, il y a un petit écart, en fait, c'est pour le support du bracelet. En fait, le cadre ne fait pas tout l'ensemble. Voilà, donc c'est le seul peut-être petit point négatif de la chose qui fait que en fait on voit bon, une petite différence il y a un petit jeu en fait entre le cadre et le support du bracelet. Donc sur le côté gauche de la montre, puisque les boutons sont à droite, donc sur le côté gauche, le micro ici, donc la prise USB avec un petit cache en plastique qui se tourne. Donc il ne se déforme pas, vous n'avez pas besoin de tirer dessus, il se tourne. Voilà, donc ça c'est un très bon point. Donc le haut-parleur est ici. Voilà. Ici, donc la caméra qui est de 0,3 mégapixels. Ici, le bouton marche arrêt. Et chose très intéressante sur cette montre, c'est qu'elle intègre donc un capteur de rythme cardiaque et son capteur est ici. Il vous suffit juste de poser le doigt dessus pour qu'il capte correctement d'ailleurs votre rythme cardiaque ainsi que l'humidité que vous avez sur le doigt et savoir si vous êtes en moment de stress ou pas, ou ce genre de choses. Voilà. Donc nous allons l'allumer et attention. Elle est déchargée, non. Voilà. Vous voyez que la montre apparaît quasiment instantanément, ce qui est une bonne chose. Donc là, il va se connecter sur notre smartphone configuré pour pouvoir communiquer avec la montre. Voilà. Alors, différents styles de montre, c'est celui que nous avons préféré. Donc, on va les défiler. Alors attention les yeux, ils ont des drôles de goût. Celle-ci encore, ça peut aller. Là, ça commence, pardon, à être un petit peu, on va dire, grossier. Voilà, donc là, un style chrono, mais alors chrono des années 50, 60, hein, vraiment un style, bon, très particulier. Celle-ci, c'est la pire de toutes. Là, du grand classique façon voilà, façon années 80-90, début des montres digitales, bon. Ensuite, façon un peu plus classique, et donc nous, notre choix s'est arrêté sur celui-ci. Bon, la précédente ou celle-ci restent les mieux. Donc, un seul point négatif, je ne sais pas si vous le voyez, voilà les traces de doigts. Donc c'est un peu dommage, l'écran marque facilement les empreintes. Et même sans avoir les doigts trop gras ou trop humides, l'écran marque facilement. Donc il vous suffit juste de laisser appuyer et vous avez le menu. Donc un menu on ne peut plus classique sur cette montre. Je vais arrêter de lever les mains et plutôt zoomer un peu. Ça va me reposer les mains. Donc du grand classique, puisque c'est une smartwatch phone, donc au lieu de communiquer directement sur votre smartphone, vous allez utiliser uniquement
Si vous le désirez, bien entendu, hein, rien n'est obligé puisque vous pouvez passer l'ensemble aussi des informations via votre smartphone. Mais donc vous avez donc le menu dialer qui vous permet de composer le numéro. Il vous suffit de glisser le doigt pour revenir au menu précédent. Donc les contacts, les messages, les logs d'appel. Donc un appel manqué, appel passé, appel reçu. Alors ça, c'est une chose un peu particulière de leur comment dire, de leur ROM développé. Ils ont prévu du multilingue, mais nous sommes passés en français dessus. Et comme vous le voyez, l'ensemble des menus n'ont pas été traduits. Donc les appels manqués, pas de traduction. Tous les appels, pas de traduction. Mais par contre, appel passé et appel reçu, ça a été traduit. Bon, ça serait bien qu'ils fassent le point là-dessus, qu'ils proposent une nouvelle ROM. Donc oui, c'est à droite. Donc vous prenez de droite à gauche pour vous déplacer dans les menus. Donc le capteur de rythme cardiaque, le motion, c'est donc permet d'analyser donc lorsque vous allez mettre bien sûr votre montre, le nombre de pas, le nombre de mètres parcourus, les calories consommées. Voilà. Analyse du sommeil, bien entendu, c'est du grand classique sur toutes les smartwatches actuelles. Donc vous voyez que par défaut c'est à off. Voilà. Par défaut, je remonte la main, c'est un peu idiot. Je vais peut-être encore zoomer un petit peu afin que vous voyez bien l'ensemble des menus. Donc, la connexion Bluetooth, vous l'avez vu, elle s'est faite. Donc, vous avez du 3.0 et du 4.0. Donc, si vous connectez sur le 3.0, il est en marche, lui. Et le 4.0... c'est pour l'alarme en anti-perte en fait de votre téléphone. Donc voilà à quoi sert le Bluetooth 4.0. Ensuite, donc des paramètres généraux, la gestion d'alarme pour votre réveil du matin, un recorder qui vous permet d'enregistrer des messages puisque vous avez un micro ici, des thèmes. Donc là nous sommes sur le thème Fashion Sports. Et le classique black and white est sympa aussi. C'est sobre sur la montre. Voilà. Vous voyez, bon, quelque chose de très sobre. Après, vous en avez un fraîche et élégant. Bon, après, là, c'est chacun ses goûts. Élégant, personnellement, bon, je trouve pas. Mais voilà, ça peut plaire à certains. Et donc, nous, on se remet en Fashion Sports. Voilà, donc le recorder, l'alarme, c'est fait. Donc au niveau des paramètres généraux de cette smartwatch. Et donc vous voyez que sur d'autres menus, c'est en français. Là, rien n'est en français. Tout est en anglais. Donc, on s'est mis en français. Et donc vous voyez ici que le menu, sous-menu en fait, qui s'appelle Watch Setting, lui est en français. L'auto-update qui vous permet donc de faire une mise à jour donc de la montre au niveau des paramètres, par exemple des pas et autres, sont par exemple en arrêt, ou là, un autre exemple, c'est ici en marche. Donc, dès que vous allumez la montre, l'auto-update se fait avec votre smartphone. Donc dès qu'il y a une communication Bluetooth avec votre smartphone, il envoie l'ensemble des informations sur votre smartphone. Donc les langues, bah voilà, on est en français, mais voilà, il n'y a que ce menu qui est complètement français. D'autres sont un peu en français et un peu en anglais. Ça fait partie des choses pas totalement finies de cette smartwatch. C'est un peu dommage. Donc, la préférence de méthode de saisie pour des messages. Donc, minuscule, majuscule ou les minuscules, majuscules intelligents, donc avec la reconnaissance des mots. Après, vous avez le mode
Flight Mode. Le rétroéclairage du LCD, c'est le niveau de luminosité, donc de beaucoup à moyen, voire peu, mais c'est toujours quand même lisible. Donc bien sûr, hein, plus vous augmentez, moins la batterie durera longtemps. Là, vous voyez que c'est presque la fin de la batterie. Ça fait 3 jours qu'elle est allumée et sans l'avoir coupée. Donc, mais sans avoir fait grand-chose dessus. Donc, au niveau de la sécurité, Watch Security, vous avez un mot de passe possible. Là, il est en arrêt parce qu'on ne va pas s'amuser à saisir un mot de passe à chaque fois. Sachant qu'en plus, l'écran est quand même petit, mes doigts sont pas fins. Donc, saisir le mot de passe à chaque fois, pas pratique. Connectivity pour l'instant vide. Vous avez un reset factory qui vous permet de réinitialiser l'ensemble des informations renseignées sur cette smartwatch. Donc ensuite la caméra. Donc on va faire un essai, je vais vous montrer. Que je vois quand même ce que je prends. Voilà, vous avez entendu l'appareil photo. Donc c'est un 0,3 mégapixels. Vous voyez que, bon, ça manque de couleur, mais c'est quand même pas totalement négatif. On peut quand même visualiser correctement et regarder correctement la photo que l'on a prise. Bon, je vois pas trop l'utilité, en même temps, c'est à chaque fois c'est le même débat. C'est l'utilité en fait d'une caméra sur une montre, à part peut-être des vicieux, des voyeurs, je ne sais quoi, mais bref, bon. Voilà. Et donc, images, ben, vous voyez les images prises avec la caméra. Donc ce qu'on va regarder tout de suite, c'est la communication avec le smartphone et vous montrer en fait comment fonctionne le capteur qui se situe donc ici lorsque vous êtes connecté avec le smartphone. Voilà avec donc notre iLipo 400. Nous sommes allés directement sur le menu où il y a donc le menu pour le capteur du rythme cardiaque, d'accord, le Heart Rate. Et donc un peu en exclusivité avant la vidéo plus détaillée, donc nous avons installé l'application Flight Chart donc sur le Meizu M2 Note. Donc la preuve que les applications téléchargées même en externe fonctionnent. Et donc l'application se trouve ici, vous voyez Flight Chart, donc nous allons la lancer. Avec, comme nous le disions, l'application Flight Chart, application dédiée donc à cette iLipo 400. Donc vous avez différents menus intégrés dans cette application, vraiment complètement développée par Flight Chart pour la montre. Donc contrairement à d'autres applications qui sont communes à plein de montres, principalement bien sûr les montres chinoises, cette application est vraiment dédiée à cette montre. Donc première chose à faire, c'est que vous avez en fait un nombre de paramètres qui vous est propre à paramétrer, donc votre date de naissance, le sexe, votre but au niveau santé à atteindre, le nombre de pas, ce genre de choses, le nombre de calories à consommer, votre taille, poids, etc. Donc vous pouvez rajouter un nombre d'utilisateurs différents. Et donc si on regarde en fait l'électrocardiogramme, donc je le laisse comme ça, on va essayer donc de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe au niveau de l'application. Et donc on va lancer, comme on l'a indiqué, donc l'application donc d'électrocardiogramme.
Et on va poser donc notre doigt sur le capteur qui se trouve ici sur la droite. Donc, comme ils disent, hein, il faut le faire au moins 120 secondes pour que ce soit correct. Voilà, donc vous voyez que le graphique commence à se tracer. Oui, je sais, il est bizarre, mon cœur. Il est très étonnant, nous sommes dans ses battements. Il me dit régulièrement que je suis fatigué. Donc, bon. On va le laisser tourner pour que vous puissiez bien voir. Donc là, ça fait déjà 60 secondes. Donc vous voyez qu'en temps réel, en fait, vous avez les battements du cœur qui apparaissent en fait dans le gros cercle vert en haut de l'application. Les battements commencent à être plus réguliers parce qu'ils les analysent mieux. Voilà, donc il a fait 120 secondes de test. Les 120 secondes, donc les 2 minutes de test sont passées. Donc, au niveau du battement du cœur, là, il n'a rien sorti, c'est étonnant. Et le report, donc le rapport vous dit que je suis dans un état de fatigue, causé certainement par beaucoup de travail. Bref, voilà. Une fois, j'ai eu un. Tôt le matin, j'ai fait le test avec donc la montre. Vous êtes dans un état tranquille, blablabla, blablabla. Donc là, en fin de journée, il est clair que. Fatigue du corps. Donc après, au niveau de cette application, vous pouvez les avoir par journée. Je ne sais plus quand est-ce que j'avais fait le test. Toc. Donc si donc le premier j'étais à 84 battements. Le 2, il n'y a rien. Le 3, j'avais fait un test, donc j'étais à 77. Et le 3, bah, suis-je bête, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Vous pouvez partager votre résultat. Et là, ce coup-là, il ne le prend pas. Vous voyez, bon, j'ai pas de chance aujourd'hui là. Il veut pas. Est-ce qu'il a pris aussi l'autre jour ce que j'ai fait? Synchronize. Non. Non, il a pas stocké ce que j'avais fait. Bon, bref. La chose la plus importante, c'est de toute manière, alors dormir avec une montre au poignet, personne ne le fera. Donc le pédomètre et l'électrocardiogramme, et je trouve que l'électrocardiogramme est vraiment une des applications les plus concrètes que j'ai jamais vues au niveau des smartwatches qui existent aujourd'hui. Donc, pour information, la carte SIM que vous intégrez dedans, ni 3G ni 4G. Au niveau de son épaisseur, on va la mesurer tout de suite. Vous allez voir quand même qu'elle est assez épaisse. Elle fait 1,2 environ centimètres d'épaisseur. Par contre, elle est très légère. Et ça, vous allez le voir. Par rapport à d'autres, elle est très 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 légère. On va dézoomer pour que vous puissiez bien voir son poids. Elle est franchement très légère par rapport à celle que l'on a pu tester. Voilà, 40 grammes. Parfait, 41 grammes. Elle est extrêmement légère, donc on ne la sent pas au poignet. Le seul défaut que l'on peut trouver dessus au niveau, c'est au niveau du bracelet qui ne contient pas de matière en fait absorbante pour la transpiration. Donc c'est du cuir, donc ça risque de s'esquinter un peu vite et je ne suis pas sûr que l'on puisse trouver, quoique il a l'air assez classique dans sa largeur, ce bracelet. Donc je pense que l'on peut trouver des bracelets de rechange au niveau de cette montre, il n'y a pas de souci là-dessus.
Donc, voilà pour cette montre. Vous rappuyez, vous revenez donc sur l'horloge. Un point aussi négatif, c'est qu'il n'y a pas de réveil automatique de capteur, donc il n'y a pas de capteur de mouvement pour remettre la montre en fonctionnement. Bon, en même temps, sur la Sun S2 de chez numéro 1, il y a ce type de capteur de mouvement. Et moi, personnellement, je l'ai mis en place et la batterie se vide très rapidement. Donc, mieux vaut avoir un écran noir et appuyer dessus lorsque vous voulez avoir l'heure. Et bah voilà, comme ça, ça permet d'avoir une batterie qui dure un peu plus longtemps. Donc, voilà pour cette smartwatch phone de chez Flightshark, la iLipo 400, donc un projet Kickstarter. Et en parlant de projet Kickstarter, je vous conseille d'aller voir le projet Robin de Nexbit. Un smartphone plutôt intéressant et franchement qui sort de l'ordinaire déjà au niveau du design et qui sort de l'ordinaire au niveau de son stockage. Je vous laisse découvrir ça. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo afin que vous puissiez aller voir ce projet qui est fort intéressant. Donc voilà pour aujourd'hui, la montre donc iLipo 400. Et bien écoutez, je vous dis à plus, à bientôt et ciao, à la prochaine.